Bonjour et bienvenue sur Nancy Web TV. Eh bien, cet après-midi, nous avons le plaisir d'accueillir un groupe qu'on va dire qu'il est, parce qu'il est un tiers allemand, un tiers français, mais c'est un groupe franco-germanique, et notamment avec le guitariste qui nous vient d'Outre-Rhin, mais eux, ils habitent, on va dire, pas très loin de la frontière allemande, et c'est un groupe qui est habitué de jouer les scènes allemandes. Donc c'est un grand plaisir de les accueillir. C'est la première fois qu'ils viennent sur le plateau de Nancy Web TV. Et puis, donc, comme d'habitude, à la fin du concert, on aura le plaisir de parler de ce groupe et également de ce que font l'actualité des musiciens qui jouent avec. Donc, je vais vous laisser maintenant la musique first. Ladies and gentlemen, please welcome from Germany and France, The Chambord. Merci beaucoup, je vais faire, j'espère de fond de cœur que vous allez prendre du plaisir comme nous. On a du plaisir à faire du rock and roll. Yes! My baby, 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 she's gone for me. My baby, 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 she's gone for me. Je l'ai baby along, l'homme est blue. My baby, 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 she's a song for two. My baby, she's gone. I don't know what to do, what to do, what to do. Well, my baby, she's gone, oh, gone away. No, no, well, you're lonesome blue. My baby, she's gone, waiting for me. Sitting the baby on the crazy. My baby, she's gone. I don't know what to do, what to do, what to do. Rock! Mr. Blue, my baby, 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 she's a song for two. My baby, she's gone. I don't know what to do, what to do, what to do. Yeah, my baby, she's gone, gone, gone away. I'm waiting away, lonesome blue. My baby, she's gone. Wait here for me. Baby, she's a blown crazy. My baby, she's gone. I don't know what to do, what to do, what to do. Well, my baby, she's gone, you're gone, you're stowed away. Voilà, messieurs, dames, ce morceau s'intitule My Baby, merci beaucoup, merci mille fois. Ce morceau s'appelle My Baby, She's Gone. Et ce morceau, c'est de 56-57 de monsieur Jacques Scott. Un super, super, super grand monsieur aussi qui faisait partie du rock and roll des années 50. Maintenant, le prochain morceau s'appelle Baby Lesbian House.
déjà vous connaissez un peu, je pense, c'est sûr et certain, parce que c'est le roi qui a fait cette chanson en 56, monsieur Elvis Presley. Mais bien sûr, monsieur Presley, notre idole à tous, je pense, je suis certain. Oui, you may go to Scotland. You may go to school. You may pink at a leg. I don't know if you know, but it's true. Yeah! Baby, 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 come back, baby, oh, be holding you. You may go to college, you may go to school, you may have a pink at the lake, don't know, be nobody's good. Come back, baby, come. Come back, baby, come. Come back, baby, oh, be how are you? Listen to me, baby. I want you to know. Come on back, it's a place I heard. So it's a lug, 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 it's a place to hurt, there is a lot of love, 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 love. Come back, baby, come. Come back, baby, come. Come back, baby, I'll be hot with you. Rock, pizza! Baby, all the heart is blue. One more time. Baby, 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 come back, baby, all the heart is blue. Voilà, comme dit monsieur dame, c'est un morceau de Elvis Presley. Merci beaucoup. Moi, merci beaucoup. C'était un morceau de monsieur Presley. Baby, let's pause. Bon. Le prochain morceau, c'est un morceau que tout le monde, que tous les gars rockers connaissent. C'est excusez-moi, please, don't leave me, par monsieur Johnny Burnett. Un morceau de 55-56. Et puis c'est le guitariste de Johnny Burnett qui a incorporé de faire des solos comme cela en 56-57. Monsieur Johnny Burnett. En plus, il a un fils qui s'appelle Rocky Burnett. Si vous allez sur le site de son fils, c'est un peu moderne, mais il a fait des bons morceaux. Il est passé à Hemsby et tout ça. C'est pas mal. Et puis Johnny Burnett, c'est aussi une grande référence, presque comme Presley, dans le milieu rockabilly. Monsieur Johnny Burnett, please don't leave me. We'll be right back.
baby gonna tell I wanna love. If you don't ever leave me, where'd I hurt me so? Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon. Dès que je peux vous dire maintenant, le prochain morceau s'appelle Bim Bam. Si on considère un peu Bim Bam, ça rentre un peu dans le jive. C'est un peu le style un peu jive, ça veut dire de Louis Prima et tout ça. Mais ça, c'est un autre chanteur qui faisait cette version en 54-55. Je pense que je me trompe là d'une date, mais ça fait rien. L'important, c'est qu'on le sait et que vous aussi, vous le savez. Si je vous dis cette chanson, c'est Bim Bam. C'est Bim Bam de M. Sam Butera. Come on, baby, let's bam, 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 bam. Come on, baby, let's bam, 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 is a scream, bam, bam, is a heart. Come on, baby, praise, bam, 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 baby, love. Paperless. Come on, the paperless. Zoom, zoom. Boom, boom. Zoom, zoom, boom, boom. Come on, baby, let's boom, boom, zoom, zoom, boom, boom, zoom, zoom. Come on, baby, let's zoom, zoom is the sweet, boom, boom is the heart. Come on, baby, play zoom, zoom, boom, boom, zoom, 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 zoom. Come on, the baby, let's. Come on, the baby, let's. Come on, the baby, let's. Zoom, zoom, boom, boom, zoom, boom, boom, zoom. Voilà, merci, Dan. Merci beaucoup. Mouah, 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 mouah. Bon, le prochain morceau. Comment je vais dire ça? Comment je peux vous dire ça? Vous savez, on a fait dans les 150 bornes. On vient dans la direction de la région de Strasbourg et tout ça derrière. On a le plaisir de faire la connaissance de Claude, de Alain, de tous les gens qui travaillent ici avec, pour nous et avec nous. Ok. Alors ça veut dire quoi? Qu'on se retrouve au paradis. Ce que veut dire la prochaine chanson, ça s'appelle Paradise. Et c'est un super bon morceau de monsieur Droit, de monsieur Elvis Presley. Still the same, the one that tell you to remember that
devant le fauteuil. Feeling the want to the baby, you'll be mine. Feeling the want in the timber's way. Feeling the want to the baby or not. I'm going to understand the paradise. Give my way. Make my life for me just one bigger, bigger. I give you every morning, the night, and still the same. The one that you do. Remember that the wonderful day. Feel here the one to the baby, you'll be mine. Feel here the one to my spine. I'm feeling the one, you're the baby, you're not. I'm going to understand the paradise. I'm going to understand the paradise. I'm going to understand the paradise. Comme dit, c'est le moment qu'on passe ici, le paradis, ça veut dire paradise, monsieur Elvis Presley. Bon, monsieur dame, merci beaucoup. Bon, ok. Le prochain morceau, ça s'appelle Ma Babe. Mais malheureusement, j'ai un petit trou de mémoire. Et pour les gens qui connaissent la mélodie, je suis sûr et certain que vous allez le trouver. Je m'excuse, j'ai un petit trou de mémoire, je ne me rappelle plus. Et comme je ne veux pas dire des conneries, je préfère rien dire. Le morceau, c'est Ma Babe. And the keys and the food, my baby. Too little baby, don't mind me. My baby, don't stand no shit on my baby. And the kiss and the food, my baby. Too little baby, don't mind, baby. Yes, Christian. The kiss and the fooling, my baby. Too little baby, don't mind, baby. Yeah, my baby. Too little baby, don't mind, baby. Well, my baby. Too little baby, don't mind, baby. Thank you.
Merci beaucoup, monsieur Dan. Merci. Merci bien. Bon. Bon. Le prochain morceau s'appelle Trouble in Mind. Je ne sais plus l'original, mais je sais que c'est une grande personne du milieu rockabilly qui l'a repris. C'est M. Darrell Hagan. Il a repris, je sais. Mais l'original, M. Levy, c'est quelque chose, je ne me rappelle plus. Mais je sais que c'est M. Darrell Hagan. Il est assez connu parce qu'il était, justement, je crois qu'il était marié avec la chanteuse Imelda May. Et je sais aussi une chose, presque sur un certain, ils ont un petit bébé. Bon, maintenant, je pense qu'il a un an et demi. Mais juste pour vous dire que c'est un grand de la scène rockabilly. Il a déjà joué avec Jeff Beck, il a déjà joué avec Pat Setzer, il a joué déjà. C'est un grand monsieur, et surtout, si vous faites un peu attention à sa façon de jouer, et sa façon de chanter, c'est un peu de style à la Cochrane, Eddie Cochrane, que tout le monde connaît, c'est sûr, certain, c'est un super grand monsieur, qui malheureusement, justement, en avril, je crois, non, c'est un autre, c'est Rich Valens, c'est Bill Pocper et tout ça, qui avait un accident avec l'avion, tout ça, c'est en avril, tout ça. Mais juste pour vous dire que ce morceau, c'est Trouble in Mind, de M. Darrell Hagan. Messieurs, gonna shine, and it's my trouble in mine. My trouble in mine that you are on my love, my mind. Love and the world of living. Sometimes I feel like that. I'm gonna lift my head along somewhere you lie. And the life is special, as is my trouble in mind. Voilà, messieurs, dames, merci beaucoup. Merci, messieurs. Ok, on vous voit pas, mais je vous remercie pour le super boulot que vous faites, pour votre gentillesse. On vous voit pas, merci beaucoup à vous, et surtout merci aux gens qui nous regardent de l'extérieur, de l'internet et tout ça. Bon, le prochain morceau, c'est un petit morceau aussi de notre grand Johnny Burnett. Quand on a une guitare, vous savez, pour un morceau comme ça. Un petit morceau des années 50, toujours aussi. Merci madame, pardon, merci mon chéri, merci mon amour, merci beaucoup. Ok, le morceau qui s'appelle, c'est M. Johnny Burnett, comme j'ai dit. Il s'appelle Rockabilly Boogie. One, two! Pardon, excusez-moi, pardon. Oh, allez, ouais, vous savez, c'est du live. Ah, ok, pardon, messieurs, dames, parce qu'il faut bien que notre bassiste... Là, c'est toi? Mais monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes contrebassiste depuis longtemps? Une chose qui arrive, parce que live, vous savez que ça arrive, vous savez que c'est du live, que c'est pas du playback, parce qu'on aime le live, parce qu'on aime les gens, parce qu'on fait du live pour ça. Est-ce que c'est pas vrai, monsieur? Merci beaucoup, comme vous donnez raison, je vous aime. Ok, one, two, three, four!
rockabilly boogie, rock rock rockabilly boogie, rock rock rockabilly boogie, rock rock rockabilly boogie, rock rock rockabilly boogie, you know. We love dancing, gonna get a pop. I gonna rockabilly with the rhythm soft. When the dance lose, gonna play. Come on, little baby, to the rockabilly beat. Rock rock rockabilly boogie. Rock, rock, rock a booty boogie. Rock, rock, rock a booty boogie tonight. Rock! Susie, gonna pop. I gonna walk a beat with the red socks. With the dead lows, gonna pray. Come on, little baby, to the walk a beat. Rock, rock, rock a beat boogie. Rock, rock, rock a beat boogie. Rock, rock, rock a beat boogie. Rock. Rock-a-beauty boogie, rock, rock, rock-a-beauty boogie. Rock, rock, rock-a-beauty boogie. Rock, rock, rock-a-beauty boogie. Rock, rock, rock-a-beauty boogie today. Merci beaucoup, messieurs, merci beaucoup, mesdames, merci beaucoup, mademoiselle, merci beaucoup à tout le monde. Bon, ok, messieurs, dames, je vais vous présenter le prochain morceau. C'est She, 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 Little Sheila. Le morceau a été fait en 59-60, comme ça, par aussi un grand morceau, un grand monsieur du rock'n'roll des années 50. Malheureusement, il est parti en 71, le pauvre monsieur. Avant que je vous dise le nom, je vous raconte une petite anecdote de ce monsieur-là. Vous savez qu'est-ce que c'est sa devise de ce monsieur-là? Il disait à chaque fois, même si il faut que je joue devant une salle vide, je ne changerai jamais mon style de musique. Ce qui veut dire que c'était un vrai. Et ce monsieur s'appelle Monsieur Gene Vincent. À vous, monsieur. She we struck it down the town. She little Chile, and so long her brown. Never know about my Chile, only down. Tick tock say you the best looking girl, honey, big box stand. I know I cheat, I love best too, honey. And you the man, never know about my Chile, only down. She, you're the best looking girl, honey, be busted. I know I do, I love her too, honey. And you're the man, never know about my shoulders, fall down.
Merci beaucoup, messieurs et dames. Pardon, je suis juste allé boire un petit verre d'eau. Vous savez, les cordes vocales, c'est comment ça? Bon, messieurs et dames, comment que je vous dirais? Bon, mais le prochain morceau que je vais vous présenter, je pense que je suis presque sûr et certain. Même si je ne vous dis pas le morceau, vous allez le connaître, le reconnaître, surtout les gens qui aiment le rock'n'roll. Mais je pense, parce que le rock'n'roll, ça fait combien de temps? Ça fait 60 ans que ça existe. Et comme vous avez remarqué, ça n'a jamais changé. Il y a toujours des jeunes qui aiment le rock'n'roll, des plus jeunes qui remontent dans le rock'n'roll, ils avaient 50, je parle bien de rockabilly, de tout ça. Ça veut dire que c'est une musique qui ne va jamais s'éteindre. Les bons chanteurs, les bons interprètes, comme Percé, tout ça, ils partent, mais leur mémoire restera toujours. Pourquoi? Parce que le rock'n'roll, c'est quoi? Le rock'n'roll, c'est, quand je vous explique ça, c'est une façon de ressentir les choses. C'est tellement grand à expliquer que malheureusement, je ne remets pas vraiment le temps de vous expliquer. Mais je pense que les gens qui aiment le rock'n'roll, je pense qu'ils ressentent la même chose que moi. C'est pour ça que le morceau que je vous présente, c'est Shaking All Over. Et ça a été l'original. Parce qu'il y a beaucoup de gens, je crois, qui croient que c'est Vince Taylor. Mais l'original, c'est M. Johnny Kidd. C'est lui l'original, c'est lui qui l'a écrit. Mais je pense personnellement, moi, de mon opinion à moi, Vince Taylor et Johnny Kidd, je pense que c'est la même qualité. Pour moi, personnellement, okay, c'est M. Johnny Kidd. Vince Taylor est repris par M. Johnny Kidd, Checking All Over. Messieurs. Shaking all over. It's the
on a bell phone. I got the shakes and the night bone. Queenin' on a bell phone. Shaking all over. Shaking all over. Merci beaucoup, monsieur Dam. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Bon, ok, monsieur Dam, le prochain morceau, The Way I Walk. Way I Walk. Morceau de monsieur Jack Scott. Je crois, oui. Oui, je crois que monsieur Jack Scott. The Way I Walk. The Way I Walk. Just the way her walk, the way I talk, just the way I talk, with a smile, just the way I smile. Touch me, baby, gonna go nowhere. The way I love, my way, the way I love. Come on and be my little tender dog. Love me, honey, love me right. Love me in the morning, the mood of night. Be do be do be do be do be do wa. Hip hip hip. Be do be do be do be do be do wa. Hip hip hip. Be do be do be do be do be do wa. Hip hip hip. Be do be do be do be do be do wa. My style. Come on and be my lady, say goodbye. Love me, honey, love me right. Love me the morning, the mood of night. Be do be do be do be do be do wa. Hip hip hip. Be do be do be do be do be do wa. Hip hip hip. Be do be do be do be do be do wa. Hip hip hip. Be do be do be do be do be do wa. Sit my style. Come on to be my dear and goodbye. Love me, honey, love me right. Love me in the morning, the moon, the night. Be do be do be do be do be do wa. Hey hey hey. Be do be do be do be do be do wa. Hey hey hey. Be do be do be do be do be do wa. Hey hey hey. Be do be do be do be do be do wa. One more time.
doo-a. Do-be-do-be-do-be-do-be-do-a. Do-be-do-be-do-be-do-be-do-a. Be-do-be-do-be-do-be-do-be-do-a. Monsieur Jack Scott. Merci monsieur Dan, merci beaucoup. Bon, le prochain morceau, vous avez aussi le connaître, s'appelle Alléluia, I Love So. L'original, c'est monsieur Ray Charles. Je crois. Oui, je crois. Monsieur, c'est monsieur Ray Charles. Ah, c'est Ray Charles, sûr? Oh, merci que je suis crise. Merci beaucoup pour le renseignement. Merci bien. Et bien alors, c'est repris beaucoup de monde. Mais le mélodie et rock'n'roll, ils le connaissent surtout par monsieur Eddie Cochran, qui est mort malheureusement à 21 ans, quand il est rentré d'un concert avec monsieur Jim Vincent, un concert à Londres, dans un taxi. C'est pour cela qu'une chanson en français qui a été faite par monsieur Eddie Mitchell. Hier encore, j'avais deux amis, justement, là, ils parlent justement de cet accident-là, qui en est arrivé quand ils sont rentrés du concert d'Angleterre, M. Gilles Vincent. Et c'est de là, on a dit, la légende, elle a dit qu'il avait son pied à cause de l'accident. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, je crois. Je crois qu'il était, qu'il a fait l'armée, et puis M. Gilles Vincent, il a fait un accident de moto. C'est pour ça, je crois que c'est la vérité, qu'il s'est retrouvé avec son pied. Mais une chose est sûre et certaine que je sais, c'est qu'il a toujours, après cet accident-là, il a toujours, il s'est toujours retrouvé sur scène avec ses gants noirs. Ça, c'était un hommage à M. Eddie Cochran, qui est mort malheureusement à 21 ans et qui fait encore des fureurs aujourd'hui avec sa musique qu'il a fait à 21 ans. Vous vous rencontrez, c'est ce garçon, il aurait vécu encore 20, 30, 40 ans. Qu'est-ce qu'il aurait fait dans la musique, je suis sûr et certain. Comme dit, c'est M. Eddie Cochran. Alléluia, I love a soul. The girl I know, she's my baby, I love her so. Up is early, what comes up to bring my coffee in my fairy cup. Yes, I know, yes, I know. Hallelujah, I'm just loving so. If I could on telephone, hey Christian, I wait all the long. Oh, can we want? Wonderful. J'y vais. Hold my door. I read the early, when the sun goes down. I read the early, nobody is around. Oh, kisses me. Oh, I'll be tight. Hey, Vincent. Everything right? Yes, I know. Yes, I know. Hallelujah, I'm just loving so. Rah! Nobody around. Oh, kisses me. And don't be tight. Hey, Matthew. Everything right. Yes, I know. Yes, I know. Hallelujah, I'm just loving so. Hallelujah, I'm just loving so. Hallelujah, I'm just loving so. Hallelujah, hallelujah. I'm just loving so. Merci beaucoup, merci à tout le monde, merci messieurs, merci beaucoup. Bon, merci bien. Le prochain morceau, donnez-moi juste 2 secondes, il faut que je
Pour un petit truc, merci. À tout de suite. Voilà, messieurs, dames, je dois vous excusez-moi, ça vient. Parce que le prochain morceau, c'est. Ah, c'est truc. Comment je vais t'expliquer ça? Le prochain morceau s'appelle Please Give Me Something. Eh bien, vous allez écouter. Vous, les gens qui écoutent, qui connaissent l'original. Si vous écoutez un peu le son, parce que ce morceau-là, il vient de. Je ne sais plus le nom, malheureusement, mais je sais. Attendez, je vais demander juste mon. Ah, ok. Ok, ce morceau-là, si vous écoutez un peu la tonalité, le son, comme le son de Cochrane, comme ce son-là, les avances qu'ils avaient déjà pour le son, on tombe des nues, c'est sûr, certain. Ils n'avaient pas besoin de tous les trucs qu'il y a aujourd'hui, ça et ça et ça et ça. Mais ce son-là, c'est vraiment un son qui vient des tripes. Comme le reconnaît, ça vient des tripes, ça vient du cœur, ça vient des tripes. On prend plaisir, voilà, c'est ça. Ça s'appelle « Please give me something ». Will you please give me something? I don't remember you, buddy. Come on, baby, give me something. I don't remember you, buddy. Just a little bit of something. We're in love with us. Baby, come to show my baby. I do moan all night. Say we gonna chew my baby. I do moan all night. We're on with a dragon. No, we're fine. Yeah, please give me something. I do remember you, babe. Come on, baby, give me something. To my baby, I do more or not. Where do I go? Love will find. Yeah, please give me something. I do remember you, but baby, give me something.
Merci beaucoup, monsieur. Ah ouais, maintenant, le prochain morceau. J'espère que je ne vais pas me faire engueuler après, mais il faut que je prenne le copti, je l'occupe pas, parce que le prochain morceau, c'est vraiment super important que je vous raconte l'histoire. Ok, messieurs, dames, on va juste prendre un peu de temps. Monsieur Vincent, ça va? Vous êtes content d'être là? Ah, peut-être je fais le boulot, maître du... Monsieur Mathieu, vous êtes là? Monsieur Vincent, monsieur Christian? Tip-top. Vous parlez français? Un peu de courage? Je n'aime pas. Oui, ça fait rien, la musique elle est belle, et puis toi t'es bon, et puis toi t'es bon, avec le cœur, et je t'aime. Tu sais, moi j'aime mes musiques. Vous savez, je dis juste un petit truc, vite fait. Moi je sais qu'il va faire une interview après, mais juste pour... Parce que moi je parle spontanément. Avec mon cœur, vous savez. Et moi, je pense que la musique, que ça rock'n'roll, n'importe quoi. Aussi longtemps que ça veut du cœur, je suis certain, tu as des retours. Hein? Ok, le pognon, c'est bien, mais le retour des gens, c'est mieux. C'est pour ça que je vous ai raconté un petit truc. Eux, là, que vous voyez, mes garçons, peut-être ça fait vieux con, excusez-moi l'expression, ça, c'est vieille personne. Mes potes à moi, ils font partie de ma vie. Vous savez, le rock'n'roll, ça veut dire mes musiciens, ils font partie de ma vie. Et puis, il ne faut pas oublier une chose. Sans mes musiciens, maintenant je dis vraiment mais vraiment avec l'honnêteté, sans musiciens, un chanteur n'est rien. N'est rien, il faut dire la vérité comme elle est. Je ne pourrais jamais chanter Please Give Me Something ou Bipap Lula si on n'a pas de musicos. La vérité, c'est grâce aux musiciens, aux guitaristes, aux bassistes, aux contrebassistes, aux batteurs, que le chanteur peut exprimer son plaisir. Ça, je voulais juste faire une petite parenthèse parce que ça m'est venu à l'instant dans la tête et je vais vous dire spontanément, voilà, juste ça je voulais vous dire, messieurs dames, ok, c'est pour ça je vous dis ça. Bon, messieurs dames, je vous raconte juste une petite histoire encore vite fait pour le prochain morceau, c'est Brand New Cadillac. Ok, s'il y a beaucoup de gens qui connaissent ce morceau, c'est sûr, certains, parce qu'il y a des Clash, je crois qu'ils l'ont repris en 80, 75, 80, tout ça. Mais l'histoire, vous savez que c'est monsieur Vince Taylor. Monsieur Vince Taylor, c'était un super grand monsieur aussi du rock'n'roll, qui malheureusement, on ne l'a pas pris trop au sérieux. Pourquoi? Parce que lui, il a commencé en 59, 60, il a fait le concert, un truc, à Paris et tout ça. Et puis il était considéré comme l'ange noir du rock'n'roll. Pourquoi? Parce qu'il était noir. Parce qu'il s'éclatait sur scène, mais malheureusement, il s'éclatait sur scène, il était super heureux d'être sur scène, et alors il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir par le show business et tout ça, par certains producteurs qui ont vu d'abord l'argent. Bon, ok. C'est pour ça, le pauvre. Moi, je l'ai vu en 82 sur scène. Eh bien, je vous dis honnêtement, ça m'a fait mal au cœur, mais c'était toujours comme M. Vince Taylor. Et puis, c'est les Français. Parce qu'il était même à Mâcon, des rockers français qui l'ont remis sur scène, juste pour vous dire. Et alors, justement, ce morceau Brand New Cadillac, c'est M. Vince Taylor qui l'a écrit. Hein? Il a deux enfants, il a une fille, il a un garçon. Et puis, il a enterré M. Vince Taylor parce qu'il est mort du cancer des os à Lutry, en Suisse. Il est enterré. Et ce morceau, c'est lui qui l'a écrit. Et puis, bon... La personne qui vivait avec lui n'a rien trouvé d'autre à faire que de vendre les droits d'auteur de ce morceau-là. Voilà, juste pour vous dire que maintenant il est enterré à Lutry, en Suisse. Soit juste pour vous dire que M. Vince Taylor, il n'était pas apprécié pour moi, parce que moi je suis un fan extrême de M. Vince Taylor. Il n'était pas apprécié à sa juste valeur, juste pour vous dire ça. Excusez-moi, je suis un petit peu long, mais pour moi c'était important, comme j'ai l'opportunité. Par web, non, c'est TV. Il y a beaucoup de gens qui écoutent, alors je me permets juste d'essayer de vous apporter un peu mon savoir. Je prie de m'excuser si ça prend un peu de temps. Ok, monsieur, dame, c'est monsieur Vince Taylor. Un hommage à monsieur Vince Taylor. When you Cadillac. In a brand new Cadillac.
baby drove up in a brand new Cadillac. Never told you that it, we never come back. Baby, 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 listen to me. Come on, sugar. Come on, hear my prayer. Turn around, baby. We never agree. Merci beaucoup, messieurs et dames. Bon, messieurs et dames, c'est l'avant-dernière. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci beaucoup. C'est l'avant-dernier morceau. Voilà, monsieur, je pense qu'il y a monsieur qui veut monter sur scène pour nous présenter, c'est ça? Oui, bien sûr. Bon, il y a encore un morceau. C'est après ce morceau, excusez-moi, je suis un peu à côté de la plaque. Est-ce que j'ai encore une chanson? C'est après la chanson que vous voulez faire l'interview, encore la dernière chanson d'interview, c'est ça? Excusez-moi, je suis tellement dans mon plaisir d'être là, de faire de la musique que parfois on oublie. Les trucs, c'est important. On a juste encore le dernier morceau. Comment? Qu'est-ce que je vais vous dire vite fait? Je vais prendre, prendre du temps, vous voulez à côté tout ça. Le morceau, c'est Trouble. Eh bien, Trouble, c'était fait. Eh bien, en français, c'est la bagarre que monsieur, aussi une grande idole en France, monsieur John Hallyday, qu'il a fait en français, la bagarre. À Vincent, hein, tu te rappelles? Donc, parce qu'on était là-bas au concert, on sortait de les deux temples, non, chérie. Ça. Et puis alors, bon, alors c'était aussi fait par monsieur, par le roi, monsieur Elvis Presley, dans le film King Creole. Là, quand il est serveur dans ce bar, qu'il a failli casser la gueule au propriétaire du bar parce qu'il était un peu arrogant avec lui, juste pour vous appeler ça c'est King Creole, là, il chante aussi Trouble. Et ensuite, ça a été repris par monsieur Vince Taylor, mon idole à moi, mon dieu à moi. Et puis, M. Vince Taylor l'a aussi fait. Et surtout, il y a une vidéo sur YouTube. Quand il fait ce morceau, il est sur un billard. Et si vous pensez, peut-être, si vous gardez votre nom, j'ai des vidéos sur Sergio Deschambord, Facebook, les Chambord. Il y a une vidéo dessus que je fais un peu le même scénario de monter sur scène comme Vince Taylor. Ça veut dire quand il rentre avec la porte, il casse la porte avec la vitre et tout ça. Vous regardez une fois, faites un peu tout ça, vous dites votre commentaire. Je me permets de faire de la pub pour moi, mais pour nous, pardon, pas pour moi, pour nous. Bon, monsieur, dames, je vous présente Trouble par monsieur Vince Taylor et par moi-même. Allez-y, monsieur. If you're looking for trouble, come to the right place. If you're looking for trouble, the light of my face. I was born standing up and come back. My daddy was a green, he was a mortality. He
is wrong with me. I never look for trouble. There's something I never ring. I don't take no orders. No! Got a man. Ah, only me not. Flesh, blown a bone. Bone if you're gonna start to kill you, baby. Don't you try. Wrong with me. Heave a heave a heave a rock and bay. Well, heave a heave a heave a rock and bay. Thomas run, Thomas run, Thomas run with me. Heave a heave a heave a heave a Thomas run, Thomas run with me. I tell you that even, even, don't waste around with it, babe. Merci, monsieur Dan, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était donc le groupe Les Chambords. Les Chambords, donc vous êtes quelques milliers à nous regarder sur Internet, quelques aussi techniciens et amis qui sont aussi dans le studio. Alors, de l'autre côté du Rhin, bien sûr, c'est Tsugabe, Tsugabe. Et ici encore donc alors on va tester le petit public, c'est normal, on peut pas mettre beaucoup de monde dans le studio. Est-ce que vous en voulez encore une? Alors je vais faire comme à Bourg-en-Bresse, à Attignat, quand il y a le fameux Rock and Roll Festival qui va avoir lieu d'ailleurs en avril prochain. Est-ce que vous en voulez encore deux? Avec plaisir, monsieur. Donc, on va vous laisser la place et puis on se retrouve après pour raconter l'histoire du groupe et puis parler de votre actualité. Vous voulez que je vous dise un petit secret? Oui. S'il y aurait deux belles femmes ici, je ferai encore 10 morceaux. D'accord. Ah ben, on en a deux à l'extérieur, je vais les chercher. Merci pour votre gentillesse, ça fait un plaisir, c'est un plaisir d'être là. Merci, messieurs. Mouah. C'est un plaisir, merci, messieurs, à vous. Merci. Merci à vous, messieurs. Allez, mon Claude, ça va, mon Claude? Ça va bien? Moi. Shake a baby, shake a honey, please don't lose it. The rhythm of guys are to the heart and soul. Let me tell you, baby, it's gone rock and roll. Say a honey, please don't let it say. Just don't know what you don't do to the blazer. All of the calypso, nothing of our own. Really, just rock and roll. Oh, we're the movie. Oh, the movie. Let's go, Christian. Thank you.
laisse moving and grooving. Shake it, baby, shake it, honey, please don't lose it. Rhythm of dance to the heart and soul. Let me tell you, baby, it's gone rock and roll. Tell you, honey, please don't let it fit. Just don't know, rush it down to the breeze. All of the calypso never, never on. Really, just like a love. I'm a breeze. Let's go, my turn. Shake a honey, please don't lose it. Rhythm of gas to the heart and soul. Let me tell you, baby, it's come rock and roll. Take a honey, please don't let it visit. Just don't know what you're doing to the prison. But I think I need to never, never own. We'll do just like a love. Merci, monsieur Dar, merci beaucoup. Il faut, c'est parti des grands. Vous savez, je prends, je raconte une petite histoire. C'est un peu, parce que là, je peux reprendre un peu le souffle. Il faut être honnête dans la vie. Hein. Bon, ça, c'est un morceau. Pop in the blues. C'est justement, ah là, j'ai une belle histoire aussi. Mais je pense que vous connaissez aussi. Ça vous dérange pas si je prends juste un petit peu le temps. Sûr ? Merci beaucoup, monsieur. Vous savez, je vous raconte une petite histoire. Ça, c'est un morceau de monsieur Carl Perkins. Ce Carl Perkins, eh ben vous savez, ben moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le savent ou le savent pas, mais je ne sais pas, mais je le dis pour les gens qui ne le savent pas. C'est M. Carl Perkins qui a écrit Blues Fait Shoes. D'accord ? C'est lui l'auteur de Blues Fait Shoes. Non, Blues Fait Shoes, oui, c'est ça. Oui, c'est lui qui a écrit ce morceau-là en 56-57. Et alors, je crois. Je suis sûr que ce morceau a été écrit par Carl Perkins, mais je ne suis pas sûr, mais je pense aussi. Alors, il est parti à l'armée, je crois. Et puis, c'est M. Presley qu'elle a repris. Voilà. Mais je vous dis honnêtement, de mon cœur à moi, de ma façon de me ressentir à moi, pour moi, personnellement, tous les deux versions, la version de M. Carl Perkins, ça va plus dans le rockabilly, les débuts rockabilly, et la version de M. Elvis Presley, ça va dans le rock'n'roll 50 et rockabilly. Si on regarde un peu, parce qu'en fin de compte, on peut dire que c'est M. Carl Perkins un peu le père du rockabilly, entre parenthèses. Comme M. Bill Haley, c'est le père du jump, du rock'n'roll et tout ça. Juste pour vous dire que ce morceau est écrit par M. Carl Perkins, Pop in the Blues. Voilà, M. Dame. Excusez-moi, mais je vous explique tout ça parce que ça vient du cœur. Monsieur, à vous, Christian. Fancy the bop in the blues, pass me go around.
I'll get to the bar when the blues must be going around. I love you, baby, must be going around. Once you told me there ain't more than me, more fear. Once you told me there ain't more than me, more fear. I love you, baby, must be going to hell. Oh, my cat in the bar when the blues, I must be going around. Oh, my cat in the bar when the blues, must be going around. I love you, baby, must be going to town. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.